petit pote de monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo en compagnie de mon acolyte de toujours Inox. Ça bouge pas, on est toujours là gros, c'est chez moi ici maintenant. D'ailleurs les amis, petite précision avant toute chose, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Lego Technique. Plus précisément Lego Technique. Voilà, donc merci à eux pour cette vidéo, c'est les boss. Pourquoi Inox Tag? Pourquoi Lego Technique? Les gars, aujourd'hui quelque chose nous attend. La Lego Technique McLaren P1 McLaren Senna 0 à 100 en combien de temps? C'est écrit sur la boîte. En 2 secondes 8. Pour de vrai les gars, la voiture existe vraiment, c'est la McLaren Senna GTR. Gros, il y en a 75 dans le monde. C'est pas énorme. Je pense que si t'as cette voiture dans la vraie vie, t'es ouais, bien. Il y en a 75 dans le monde, Coco. Bref, t'es une moumou. Et les gars, ça tombe bien. On parle de voiture dans la vraie vie, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, les amis, on va faire une course. On va construire cette McLaren Lego Technique, chacun de son côté. Moi de mon côté. On va faire une course de voiture. On va faire une course avec les mains. T'as compris? Parce qu'on va faire une course, mais pas de voiture. Ah oui, non, pas une course de voiture. Mais demain. Mais demain, peut-être que. J'aime bien quand ça se passe comme ça, j'aime bien. Celui d'entre nous deux qui construira la McLaren Lego Technique le plus rapidement conduira demain sur circuit une McLaren. Une McLaren. Enfin demain pour vous ça sera après. Comment à la ça fin. Me hype. Et c'est pas fini, il y a un gage pour le perdant. Et c'est pas fini, avant de parler de gage, moi c'est pas la première fois que je fais des Lego Technique. Frérot, je fais ça depuis que je suis petit, j'en ai fait un dans l'avion. Retour de Roumanie, j'en avais acheté un. Sache que j'ai de l'expérience dans les Lego Technique quoi. Falloir mettre les bouchées doubles. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais mais les gros tête de homme les Lego c'est. Ok même. Donc il y a pas de gage pour le perdant. Bah si, moi je veux la conduire la voiture bébé hein, moi je veux conduire. Lego, bon bah forcément Lego les gars, je kiffe, j'ai déjà joué au Lego quand j'étais petit. Tout le monde aime les Lego. Moi je faisais des robots. Le seul truc qui peut nous faire détester les Lego, le seul truc. Ah c'est quand tu marches dessus. Quand tu marches dessus frère. C'est pas faux. Ah non là. Mais normalement t'en viens pas à marcher dessus. C'est des Lego techniques. Donne-moi ta meilleure technique. De drague. Avec les meufs. Trop gentil, trop con. Carte de l'ancien. Ah j'ai sorti la carte. Putain mais du coup t'es avantagé pour de vrai parce que moi. Non en Lego, vrai. Moi mon expérience avec Lego, bah quand j'étais petit je faisais des robots avec les Lego. Ou des fois je faisais des armes ou je faisais. Mec je faisais plein gros, de trucs. On va faire une truc. On va faire un truc. On va commencer maintenant. Déjà je suis sympa. Je vais te donner une astuce. Trie les pièces avant. Coco, fais pas l'ancien avec moi non plus. Non mais t'inquiète, la notice elle explique bien. Si jamais je vais trop vite, j'ai pas besoin de toi. Si jamais je vais trop vite, je viendrai voir ton studio. Dans tous les je cas. Je regarderai ton avancée, je te laisserai peut-être 10 minutes d'avance. Et, oh, moi, comment il fait le mec. Et moi je chillerai. Non là, tu fais le mec. Non là tu fais le mec, là tu fais le mec. Dans tous les cas, le perdant aura également un gage. Premier gage, bah il a le seum, il conduira pas la McLaren. Donc déjà t'as le seum. Mais surtout, le perdant, il montera dans une McLaren. Il aura quand même la chance de monter il dans aura une McLaren. Quand même la chance de monter dedans. Qui sera conduit par un pilote. Qui va du coup sûrement un petit peu drifter quoi. En vrai c'est pas agréable. Bon, je vais te le dire, c'est pas agréable. En vrai ça va. Mais tu conduis pas la McLaren. Donc non, faut gagner là. Faut gagner. Je te propose d'aller dans ton studio et que je t'éclate. Que le meilleur gagne. En vrai, gagne, je peux pas ami. Faire le malin, je peux pas faire c'est le parti. Bonne meilleure chance, trie bien les pièces, hein, je te l'ai dit, hein, je t'aurais conseillé. Hein. Si tu fais le con à pas les trier, tu verras. Les amis, c'est parti. On n'a pas encore lancé le chrono. Attends, je vais mettre un chrono, c'est vrai, pour voir en combien de temps on le fait. Sachant que je crois qu'on m'a dit en moyenne, c'est environ 3-4 heures. Enfin, ça dépend vraiment de ton expérience. Mais en moyenne, c'est 3 heures. Donc je pense que ça va être quand même long. Vas-y, c'est bon, hein, moi j'ai lancé. Hein. Oh, calme-toi là. Oh, je suis pas prêt. Ok, les gars. C'est rien d'être pressé, être trop pressé mène à la perte. On va passer aux choses sérieuses, il va falloir monter cette petite voiture. Ah oui mais je comprends Lego Technique. Je vais lancer le chrono. 3, 2, 1, go. Je crois que j'étais un peu en avance hein, on entend de côté. Sachez que moi celle-là les gars, j'ai déjà fait ce modèle là. Enfin j'ai pas fait ce modèle là, mais j'ai fait exactement le même nombre de pièces. C'était Ford Mustang, je l'ai fait dans l'avion. En vrai j'ai un peu les bases. Les gars, Lego Technique, il va falloir être organisé. Inox en a déjà fait quand il était petit, ça me fait très peur pour de vrai. C'est la première fois que j'ai peur d'Inox. Il y a même les stickers à mettre et tout. Ok parfait. On va direct se mettre à la première page et on va trier les pièces. Ça va nous faire gagner 30 minutes. Ok c'est parti, commençons la notice. Il y a combien de pages? Juste comme ça pour savoir. 139 pages. Ok. Bah y a du boulot. Il faut que je trouve ces deux pièces là. Oh. Mais attends, mais en vrai ça va pas être facile hein. Et en fait les gars, ce qui est intéressant quand tu vois les pièces et quand on va construire la voiture, c'est qu'en fait dans la voiture t'as un peu les mêmes mécanismes que dans la voiture dans la vraie vie. Là par exemple je vais faire le moteur, je vais faire le système que quand je tourne le volant ça tourne les roues. Tu vois un peu le mécanisme qu'il y a dans la bagnole, donc c'est d'art. Ah je pense que c'est ça là, les pièces qu'il nous faut. Ça c'est ça. Ok, la grise c'est celle-là. Mais il y a tellement de pièces. Eh hey, t'en es où? Bah je trie les pièces là. Ah il trie les pièces lui. T'as commencé toi? Ouais, je suis prêt, j'ai presque fini. Moi j'ai pas commencé hein. Il m'a donné une astuce. On va mettre toutes les pièces bleues ensemble, toutes les pièces noires ensemble. Très bonne astuce, merci Inox. Ok les gars, j'ai mis un peu mes petites pièces un peu partout sur le bureau. Maintenant, va falloir commencer à faire la première étape. Donc là, faut utiliser le sachet 1. Ok, donc une pièce comme ça, une pièce comme ça. Je rentre ça dans l'autre. Voilà. Ok, donc déjà on a ça les gars. On a ce petit truc. Déjà Michou il va galérer au moins une heure sur ça. Tu m'as appelé? Hein? Ça se passe? Ouais, ça se passe, tranquille et toi? Tu viens de commencer? Ouais, là je suis à la page 12. T'es à la page 12? Ouais,
toi? Je suis à la page 23. Wouah, t'es un menteur là. Genre la tête de boîte, il est à la page 12, je suis à la page 9. Là, Inox, il doit être en panique, il se dit, attends, il est à la page 12 déjà. C'est faux, j'ai toujours pas avancé, je suis encore en train de trier mes pièces. Et la dernière pièce à trier, elle va juste là. C'est magnifique. Alors, du coup, ma... Oui, mais maintenant, vous voyez mon bureau là? Il y a des pièces partout. Donc maintenant, faut que je trouve ces deux pièces là. T'es marrant, toi? Ok, bon, j'ai mis tout ce que j'avais à clipser. J'ai pas fait d'erreur, je pense. Ah, il l'a mis comme ça. Donc là, c'est bon. Normalement, je suis pas mal. Et celui-là, il mène vers ici. Donc pour moi, il l'a clipsé comme ça. Donc là, je pense que je suis pas mal. Il faut mettre ça dans ça. Ma... Je veux des applaudissements dans les commentaires. Hop là, on emboîte les trucs. Voilà, ça rentre, c'est parfait. Là, on a le début d'une McLaren. Oh, j'aime bien. Tout à l'heure, j'ai dit à Inox que j'étais à la page 12 et il avait pas l'air si inquiet que ça. Donc ça m'inquiète. Moi, mon objectif, les gars, c'est pas forcément d'être avant Michou. C'est d'être avant 2 heures. Il y a écrit en 4 heures, mais il y a écrit qu'il y a des gens qui ont réussi à la faire en 2 heures. Donc, j'ai envie de faire partie de ces gens à 10 000 de QI qui arrivent à finir un Lego technique comme celui-ci en 2 heures. Il est où là? Il est où? C'est un truc gris. Ah, mais c'est là. Mais c'était sous mes yeux. Tu vois, là, il y a les couleurs. Quand il y a les couleurs, ça fait plaisir parce que du coup, je me retrouve plus facilement. Le truc jaune, je mets ça dedans. Et là, là, tu sens que ça va ressembler à quelque chose plus tard. Les gars, on est là, l'avancée, c'est pas mal déjà. Notre petite bécane, elle commence à prendre bien forme. Mine de rien, on est concentré, hein. Alors, faut que je les mette où, putain? Je capte pas, là. Comment tu les cales? Ah, ok, comme ça. Hop, et hop. Ça, ça doit être... je sais pas ce que c'est. En fait, c'est les pistons du moteur. Les gars, pour moi, c'est le moteur. Ça fait combien de temps, les gars, qu'on a commencé? Ça fait déjà 30 minutes. Inox, t'en es où? T'en es... Attends, arrête tout. Viens, je vais voir ton truc. Vas-y, j'arrête. Ok, les gars, là, c'est le moment décisif. Là, je vais voir si c'est qui va gagner. Bien joué, c'est bien de participer, c'est l'impro. T'es un menteur. Oh, c'est bon, c'est la fête, c'est bon, je suis tranquille. Attends, j'arrive. Ah, attends, c'est de moi que j'ai gagné. Ah, les gars, je vais gagner. J'ai fait le V8. Gros, tu sais que j'étais là, je tryhardais, j'ai dit, putain, j'espère Michou, il est pas à mon stade quand même. Quoi? Tu l'as aidé. Mais non, mais ils t'ont aidé. Toi, t'as fait que le premier. T'es à la page 18. Mais gros, moi, tu t'étais pas à la page 12 en fait. Mais le pire, c'est que toi, c'est même pas trié. Ah bah si, je triais là. C'est hyper mal trié. Après, c'est peut-être pour ça. J'arrive. Ok, non, mais fais le malin. Vas-y, rattrape-toi. Oh là, c'est la crise. Après, lui, c'est mal trié. Donc, ça peut. On sait jamais, je peux toujours rattraper. Mais comment il a pu être aussi loin? Inox, s'il te plaît. Je me fais humilier par Inox Tag. En fait, c'est ça le problème. Ok, c'est parti, les gars. Faut que je clique ici. Oh là là, c'est bon, les gars, magnifique. Ok, là, les gars, on va faire une nouvelle pièce. Donc là, on a ces deux pièces là. Donc, je sais pas comment on va devoir les assembler. Mais là, on va faire une autre partie. Du coup, on repart sur quelque chose de nouveau. Après, ça va être satisfaisant de tout mettre ensemble. Les gars, j'en suis là. Là, on a un bon petit début. Sachez que j'ai toujours pas rattrapé Inox. Hein. Donc, il avait vraiment une avance de malade. Oh, les gars, on va commencer à faire la voiture là. Ils sont en train de me donner les sièges. Ah, je les ai vus. Donc, ça, je pense que c'est les sièges, t'as vu? Et là, on va commencer à les installer. Ok, c'est bon, j'ai mis les sièges, les gars. Et ça, je pense que là, du coup, c'est les roues, ça. Allez, regardez, du coup, comment ça fait. Et bah là, ça tourne bien, tu vois. Nickel, j'ai réussi, les gars. Regardez, quand je tourne comme ça, ça tourne les roues. Donc, c'est parfait. C'est qu'on a réussi notre délire. Et d'ailleurs, ça fait une heure. Ça fait maintenant une heure, les gars. Inox! Ouais? Ça fait une heure! T'en es à où? J'en suis au V12. Ah, toi aussi, tu viens de le faire? Ouais, t'inquiète. Je crois que je suis à une page après toi, hein. Je viens de terminer. C'est un menteur. Il me dit qu'il vient de terminer le V12. Je suis pas au V12, moi je suis au V8. Hein. Ce qu'on appelle le V8, c'est ça. Par contre, maintenant, j'ai hâte de savoir ce qu'il appelle le V12. Il est fini depuis bien longtemps, mon ami. T'étais pas encore né quand je l'avais terminé, Michou. Michou a fini le V8. Ça veut dire qu'il a même pas fait tout ça. Moi, je suis déjà à tout ça. Ça veut dire qu'il y a quand même de la marge, en vrai. Hein. Par contre, c'est ouf. Ça fait une heure. Et ben, les gars, sachez que j'ai jamais l'impression que ça fait une heure. Hein. Hop, je vais la conduire. Cette McLaren, c'est. Je suis encore monté à l'envers, ça c'est pas censé être là, c'est censé être là. Normalement dans la vie on apprend de ses erreurs, bah pas moi. Ah voilà, là c'est bon. Ok les gars, là c'est un moment important parce que je vais regrouper tout ce que j'ai fait ici avec tout ce que j'ai fait là. En fait ça fait tout ça. Ah ouais, en fait j'ai pas du tout fini. Logiquement ça rentre pile ici, donc pour moi c'est comme ça. Voilà, et là. Viens voir. Ouais. Mais t'avais où l'air, le Michou? Non, je vais peut-être aller voir. Il est loin, le Michou. Ça, sans... par contre, je sais pas si c'était ça. Ah, Dobzer? Gros, j'ai besoin de toi. T'as vu Inox, il en est où? Je dis rien. S'il te plaît. Mais je trouve que t'es bien parti. Mais t'es un gros menteur. J'ai aucune galère, j'avance très bien. Mais juste, j'ai l'impression que tout à l'heure, je suis allé le voir, il avait déjà fait ça. J'ai pris 10 minutes à rattraper mon retard. Donc, tu vois, j'ai pas de galère, mais j'ai l'impression que je suis hyper lent. Moi, je vais pas t'aider. Mais t'es fou. Tu veux que je t'aide comment? Je te paye, gros. Arrête de parler, travail. Voilà, tu vois, voilà, tu me déconcentres. Je m'en vais, du coup. Ok, non, tu fais ça. Mais non, non, mais...
Mais non. Non, mais en vrai, je suis bien parti. Mais je veux pas te dire la vérité. Tu veux savoir vraiment ou pas vraiment? Oui. T'es trop fort. T'es un mytho. Après, j'ai pas dit que c'était en avance. Tout ça, c'est toi qui fais. En fait, je pense que tu vas être obligé. Ah bah oui, je vais en avoir besoin. Voilà, bah, bon, bah je me débrouille. Voilà. Ouais, t'es dans la merde. Non, c'est vrai. Dobby, je commençais à reprendre espoir. À tout moment, les gars, Inox, il est en train de siroter sa meilleure grenadine et il a déjà presque terminé. À tout moment. Oh là, Théma, on commence à avoir l'avant de la voiture. C'est magnifique, bébé. Donc là, les gars, on va faire un nouveau support. Là, on a fait tout ça et c'est parti. On enchaîne. Let's go. Y a un problème. Ça, j'ai les bons trucs. Mais non, j'ai pas les bons trucs. Dobby, viens voir. Mec, t'inquiète, tout va bien. Juste, enfin, je comprends pas. Juste comme ça. Regarde, parce que là, tu vois, y a des trucs qui ressortent. Ouais. D'accord. Et je dois mettre ça là, mais là, y a des trucs qui sont dedans déjà. Bah ouais, c'est bon. Mais t'arrives pas à les mettre. Il en est là, Inox. Mais je vais pas te dire où il en est. Tu vas arrêter sinon. Mais c'est bon là. Comment ça, je vais arrêter. Mais tu me trolles ou quoi? De quoi ça rentre? Ça rentre là. Bah oui, pourquoi ça rentre? Ah, en fait, j'ai compris. En fait, je me basais sur le gris là, au lieu de me baser sur le gris là. Du coup, je faisais ça, ce qui pouvait pas marcher, alors qu'il fallait faire ça. Du coup, tu peux continuer le temps que je vais aux toilettes. Vas-y. C'est vrai? Faut que j'aille faire pipi. Toi, t'es fort en Lego technique, non? Je suis fort dans tout ce qui est technique. Ok, donc si je fais un peu plus que pipi, c'est pas grave, parce que t'es fort. Putain, j'ai les mains qui glissent, j'arrive pas à mettre les. Wesh! J'arrive pas à mettre la touche. Eh les gars, y'a un mec qui arrive à mettre ça ou pas? Tête de WAM, y'a un souci. Simir. Mais mec, en fait, j'ai les mains, elles glissent tellement que je peux pas le mettre. Ok, c'est bon, Simir. Ouais. T'en es où, gros? Regarde pas. Pourquoi? Parce que j'ai presque fini. T'es un menteur. Quand tu sais que ça fait 1h30 qu'on a commencé? Mais gros, ça fait 10 minutes, j'arrive pas à mettre. Et gros, je t'ai dit, je suis en train de tryhard. Tu comprends pas? Attends, mais c'est si grand que ça? Mec, elle est énorme. J'avais envie de faire moins de 2 heures, mais là, c'est trop dur. Moins de 2 heures. T'es à la page 52! T'es à la combien? Ouais, je suis à 46 environ, je pense. Bah, ça va? Oui. Mais mec, déjà, je savais pas que c'était aussi grand. Mais t'as vu, c'est balèze. Hein. Mais mec, t'avais pour objectif de le faire en moins de 2 heures. Moi, j'avais l'objectif de le terminer au moins. Donc, tu peux te calmer, gros. Ouais, je peux être plus tranquille. Là. Bah, ouais. Là. Là, je t'ai fumé. Là, gros, je pense que là. Je l'ai fumé. Il me faut encore 3 heures, gros. C'est quoi, je vais me prendre un coca pendant que tu continues. Petite pause. Le plan est parfait. Dobby, il est en train de continuer ma voiture de mon côté. C'est parfait. Allez, Inox, tranquille ou quoi? C'est bien, j'arrive où ils discutent. J'arrive où je t'entends discuter, toi, là. Pendant que je suis en train de monter, là. On était en train de discuter, gros. Je peux savoir, moi, tu m'as pas. Mais mec, tout était parfait. En plus, je suis. Oh, t'as mis les sièges. J'ai avancé de ouf. Mais t'es trop. Mais fais à ma place. Je suis à 120. Mais t'es un gros menteur. Mec, clairement ici. On est page 31. Tu veux savoir, il est page combien, Inox? 52. Du coup, t'as mis les sièges. J'ai le seum. C'est un des trucs que je voulais le plus faire. Bah, excuse-moi, j'allais pas dire, bah, je t'attends pour mettre les sièges. Ouais, j'avoue. Les gars, je viens de rentrer en alerte dans mon studio. Attends, est-ce que tu peux me mettre ça, s'il te plaît? Mais là, c'est Dobby en train de lui monter son Lego. Tête de gomme, c'est de la triche. Y a plus rien, y a plus de pause. Là, maintenant, je me la bute. C'est fini. La triche, c'est un comportement que je n'accorde pas. Non, j'avoue que c'est un peu de la triche. La triche, je n'accorde pas. J'avoue que c'est un peu de la triche, du coup, pour me faire pardonner, je t'offre un. Bah, alors ça me fait plaisir. Je t'offre à manger. Merci beaucoup, mais ça servira à rien de me distraire là, c'est fini. T'avances bien, toi, de ton côté? Tu me pardonnes? Bah, là, du coup, faut que j'aille charbonner parce qu'il y a plus Dobby. Je l'entends là. Hmm? J'entends Dobby là, de l'autre côté. Mais attends, mais c'est quoi ça? Je vois pas où est-ce qu'elles sont les pièces. Non mais il parle aux caméras. Oui, mon ami, ne me distrais pas, laisse-moi faire ma putain de mec, on te la fait pas, toi. Ah non mais bon, on me la fait pas, non mais gros, je t'ai dit, je tryhard. Tu veux que je te dise vraiment où je suis? T'es où? T'es à la page 53, hein. Ouais. Je suis là. Page 30. Oh, je t'ai mis une double. Oh ouais, non, c'est chaud. Mais c'est pour ça, mec, ralenti. Mec, en fait, moi, j'ai pas envie de te battre. Je sais déjà que j'ai gagné, j'ai envie de battre le record de la boîte. Ok, c'est C'est quoi le record? C'est 2h! Ah, pour de vrai? Je crois que c'est 2h20. 2h, c'est genre le record. Bah, je pense que c'est ça, 2h20. Bon, en vrai, les gars, j'en ai profité. J'ai fait une petite pause parce que, mine de rien, je crois qu'il va falloir fixer. Voilà, il faut fixer l'arrière à l'avant. Ah, faut pousser ça en fait. Ah, mais c'est tout con! Attendez, mais j'ai oublié un truc là. Pourquoi j'ai ça qui traîne? Ça date de quand ça? Mais fallait le fixer tout à l'heure. Mais gros, j'ai tout fait à l'envers. Ça, il fallait le fixer il y a 10 minutes! Aïe, mais pourquoi ça veut pas là? J'appelle Dobby. Mec, je comprends pas. Non mais c'est pas plus loin. Mais si, c'est plus loin. Mais non, il vient devant. Ah mais si, ça va alors. Mais tu trolles. Ouais, Dobby, j'ai pas besoin de toi. Ok, j'ai réparé mon erreur. Là, c'est dingue les gars, parce que ce que je fais, c'est en train de prendre forme. Il reste très peu de pièces. Oh là là, on va ouvrir le sachet 2. Le deuxième sachet, là, on attaque. Oh là, dinguerie. Ok les gars, c'est le moment décisif les gars. On va mettre l'aileron. Je fais exprès de crier, comme ça, il l'entend bien. Oh là, j'aime bien quand ça se passe comme ça, bébé. On commence vraiment à... Ça ressemble à quelque chose, hein. Ça commence vraiment à avancer. Ça fait plaisir. Le bout de la grotte, mec. On commence à tout voir. Tac, ça c'est bon. Ah, il faut mettre le petit sticker McLaren. Bon, j'espère que j'ai pas loupé de sticker avant. Que je viens seulement de comprendre que les stickers... En fait, moi, pour moi, les stickers, fallait tous les mettre à la fin. Et en fait, pas du tout.
Hop là, le sticker McLaren, mon grand. Là, les gars, on est en train de faire la partie de devant. Et après, on aura fini la voiture. Donc, c'est la dernière ligne droite. On y croit et c'est parti. Prochaine page. Putain, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est, Inox. Parce que là, l'aileron, les gars. Je vais voir Inox. Inox tag. Viens pas me voir, Mich. Non. Voilà, tu vas te faire. Ça m'étonnerait parce que là, j'ai bien avancé. Ok. Vas-y, je vais voir la tienne. Tu veux voir la mienne? Vas-y. Non, non, mais pas possible. Il y a qu'un moment. C'est pas possible que t'en sois qu'à là, quoi. Non. Ah ouais, t'es loin. T'es top combien? 180. Oh non, Michou. Mais mec, tu sais que tu... En vrai, j'ai dû garder mes émotions quand j'ai vu ta voiture. Mais... Viens, on retourne voir ta voiture. Et Mich, il a gardé ses émotions en fait quand il a vu ma voiture. Mais gros, j'ai pris ma voiture. J'ai fait. Ah, oh, ça va. J'avais envie de pleurer. Vous l'êtes trop d'or. T'arriveras jamais. Là, si je finis et que j'attends que tu finisses, je pense qu'on a une heure de délai, toi et moi. Je pense vraiment qu'on a au moins une heure bah, de délai. Bah, toi, t'es à étape 100. Je suis étape 170. Allez, zou. J'ai des choses à finir, moi, mon ami. Bon, je suis étape 100. Hein. Il est étape 169. En vrai, ça fait une trentaine de pages. Mais. J'ai perdu espoir là. Ok les gars, donc ça je crois que c'est les phares avant. Et donc je crois qu'il faut que je les mette ici. Et voilà, et là on a les phares avant. Commence à avoir une sacrée gueule hein. Les amis, petit récap, 3h20. Ça fait 3h20 que je suis dessus. J'en suis à là. Je sais pas où est-ce qu'il en est, Inox. Enfin, je sais qu'il est bien plus avancé que moi. Mais voilà. Hey, Inox! Ouais? Je pense que je t'ai rattrapé là. T'as fait les roues? Les roues? C'est quoi ça? Il m'a dit t'as fait les roues. Est-ce que ma voiture a une gueule à avoir des roues pour l'instant? Ok, les gars, la deuxième portière, je la clipse ici. Hop. Nickel. Il me reste que une dizaine, vingtaine de pièces et elle est terminée. Donc vas-y, je mets les bouchées doubles et c'est parti. Je viens de me rendre compte d'un truc. Je me rends compte que maintenant, vous allez peut-être pas très bien voir, mais en fait, même le V8, je l'ai mal... Le moteur, là. Si ça se trouve, dans cette voiture, c'est un V12. Hein, j'en sais rien. Mais, enfin, le moteur, là. Même ça, je l'ai mal construit. Parce qu'à un moment, j'ai dû forcer pour que ça passe. Je me disais, bon, ça doit être normal. Mais même ça, genre, normalement, là, la petite branche marron, elle est censée dépasser un peu. Et l'anneau jaune, il est censé être là, là. Il est censé être au-dessus, pas en dessous. Donc moi, je l'ai mis en dessous. On va aller voir Inox. Je vais juste voir si lui il l'a bien fait. Mais tu vois, c'est encore une preuve que je suis vraiment nul. Non, viens pas. Non, viens. Mais c'est juste pour voir un truc. Mais ça sert à rien. Je veux juste voir. Tu vas voir que tu perds dans 5 minutes. Non, mais attends, fais juste voir un truc. Ah ouais, bah ouais. Ouais, toi, les trucs jaunes ils dépassent. C'est le V8. Bon, mec. Bon, après, moi je l'ai. En vrai, je suis pas aussi loin que toi. Je te rattrape. Hein. Mais juste des fois, je l'ai peut-être un peu mal monté. Il y a juste des petits trucs. Jure, t'as fait des erreurs. Ouais, je crois, il y a des petites erreurs. Tu dois refaire alors. En vrai, c'est pas gênant. Je peux quand même finir de construire la voiture, je crois. Mais je suis en train de me rendre compte que du coup, même si j'aurais été plus rapide qu'Inox, la voiture elle est mal montée. Je viens d'entendre que tu l'as même pas bien montée. Non, mais c'est pas grave en vrai. Non, mais c'est quoi que t'as mal monté, genre. En gros, le bout marron ici, il fallait le faire ressortir pour ensuite mettre le bout jaune pour bien serrer le moteur. Là, moi, je l'ai enfoncé et je l'ai mis en bas. Du coup, au-dessus, il n'y a rien qui dépasse. Ah ouais. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Je crois, hein, mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois que quand la voiture avance, au final, le moteur il bouge. Ça fait comme si c'était un vrai moteur qui bouge, tu vois, à l'intérieur. Ah. Et du coup, là, ça se trouve, ta voiture, elle avancera peut-être pas. Du coup, là, officiellement, une vraie McLaren montée comme ça, elle avance pas. Tu verras bien quand tu auras mis les roues. Je le redis, tu l'as peut-être pas dit, mais tu dois finir de la monter, du coup, même si. Oui, bah, je la finirai. Et je pense que je la finirai pas aujourd'hui. Mais dans tous les cas, je la terminerai. Ok les gars, j'ai mis les rétros. Là pour moi, c'est les roues. Et après, c'est terminé. Et j'ai raison, c'est les roues. Voilà. Et voilà, ça roule mon grand. Ça tourne, magnifique. Je crois qu'elle est finie. Hein. J'ai fini. J'ai envie d'arriver avec la voiture et il va avoir trop le seum. En combien de temps? Je pense 3h40. Putain, les gars, elle est finie. Regardez-moi cette McLaren. On est d'accord que là, on est sur quelque chose d'incroyable. Je vais la laisser dans mon studio. Hein. Tête de homme, c'est de la déco. Hein. Je vais aller voir le Mich. Ah, t'as trop le seum. Ah, regarde la petite voiture. Elle est carrément finie, mon grand. 3h40, mon grand. Elle est là. C'est fini. Mec, en vrai, elle est magnifique. Hey, mec, c'est de la frappe. Elle est incroyable. Elle roule. Ouais, elle roule et tu fais ça pour tourner. Mec, genre... Bah ouais. What? Mais moi, c'est certain que même quand je la termine, ce mécanisme-là, il va m'a tourné. Je sais pas pourquoi je le sens. Tu l'as mal fait? Regarde, tu vois le moteur, là, à l'intérieur. Ah ouais, t'as fait de la merde. Ouais, t'as fait de la Donc merde. J'ai fait un peu de... Oh, toi, t'as fini, là? J'ai fini, ouais. J'en reviens pas. J'ai gagné. Donc là, demain, tu vas la conduire. Donc demain, je vais la conduire. Elle est énorme, t'as fait ça en 3h40. Ouais. Mec, t'as charbonne, hein. Mec, t'es arrivé dans mon dos avec la voiture. Bah, on se voit demain, piloté. Bah, on se voit, ouais. Demain. T'inquiète, ça va bien se passer.
Attends, viens, on monte la différence de progression. Une belle différence de progression quand même. Putain, elle est magnifique. Hein. Bah moi, en vrai, elle peut peut-être rouler, faut juste les rouer, pourquoi pas. Hein. GG. GG pour Inox qui est officiellement le grand gagnant de ce concours. Franchement, mec, dès le début, tu m'as mis une mine et je t'ai jamais rattrapé. On se retrouve tout de suite, les gars, sur le circuit. Les amis, c'est le jour J, on est sur le circuit, je suis avec mon gars Inox Tag. Mec, on est arrivé. Je t'avais dit que j'allais la faire, je l'ai terminé ce matin, la McLaren. Mais il y a un petit truc qui me gêne quand même. Quoi? Ah oui, oui, je t'ai dit, les roues à tombent pas. Déjà, ok. Mais tu l'as pas fini là. Il manque des trucs là-dessus, non? Ah, les stickers. Il a essayé de me gruger avec les stickers. Mais t'inquiète, les stickers. T'as essayé de me gruger, elle est pas finie. T'inquiète, c'est not finish. Pour la peine, les gars, écoute-moi bien. Non, mais je le mettrai. Là, on est sur le circuit. Donc, c'est à dire que là, si je comprends bien, j'ai gagné. Donc, c'est moi qui pilote. Je vous avoue, pour être honnête, ça me fait de la peine. Parce que c'est ta vidéo et c'est moi qui pilote. Je t'avoue que j'ai envie de te laisser conduire. C'est le jeu. Mais du coup, comme c'est le jeu, on va aller jusqu'au bout du jeu. Ton gage, c'est de mettre les stickers pendant qu'il conduit. Pendant qu'il conduit? Ouais. Mais gros, mais c'est impossible. Bah si. Mais c'est impossible. Mais si, bah t'es obligé de toute façon. T'es obligé, c'est ton gage. Tu mets les stickers et je veux que quand tu sors de la voiture, elle soit finie. Quand je suis avec le pilote. Voilà. Ok, vas-y. Fallait que t'as qu'à venir avec les stickers. Honnêtement, ça me paraît impossible. En vrai, de vrai, les gars, je pense qu'il arrivera pas. Je sais pas comment le pilote va conduire, mais je pense qu'il va bombarder. Oh le bolide! Oh le bolide bébé! Oh là là le bolide! Bon alors les garçons, vous êtes prêts? Ça va? Ça va bien? Tranquille! Eh hey, le bolide là! Eh hey, t'as fait une vraie arrivée là! Putain, elle est incroyable! Mais attends, mais elle est magnifique la voiture! C'est la tienne? Non! 675 elle est là exprès pour vous! Mais gros, elle crépite! Bah, dans ces cas-là, Inox, je pense qu'on va commencer. Inox, tu vas voir la, piloter. Faut que tu lui fasses faire un petit tour de reconnaissance du circuit avant. Ouais, quand même. Ok, ouais. Parce que bah là, il y a 675 chevaux. Donc, ça mérite un tout petit tour de reconnaissance avant. Bah, les gars, si je la crache. Non, mais c'est pas Poppy qui paye la caution. Mais je serai là pour t'aider. Ok, okay. C'est pour et la caution. Moi. Non. Moi, je devrais coller les stickers quand je serai avec toi. Tu crois que c'est faisable? Non, tu vas essayer. Ah, je crois que ça me fait de la peine là. Mais profiter gros, si tu dois c'est la, tenir, oh là là. La tenir fermement pour pas qu'elle tombe et en même temps mettre les stickers. Oh bah c'est impossible. Ça va être là, il y a du défi là. Je t'emmène faire un petit tour de reconnaissance. Et allez, je te suis. C'est parti hein. Ouverture papillon. Oh là là, l'ouverture papillon monsieur. Mec, c'est incroyable. Oh là 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 là. Eh, c'est pas des lol hein. Allez là, c'est parti là. Ça, il y en a pas beaucoup en France de celle-là. Tu la conduis souvent celle-là? Régulièrement l'équivalent, ouais. Mais celle-ci non parce que il y en a peu. Et tu les sens vraiment les différences entre celle-ci et les autres? Ouais parce que les réglages de la voiture font que sur un circuit en particulier, tu t'éclates quoi. Oh là là, la dinguerie. Bon vas-y, dis-moi là, c'est comment ça se fait que tu conduis aussi bien là, Xavier? Raconte-nous un peu, tu fais quoi dans la vie? Pendant pas loin de 30 ans, j'étais pilote pro. Ok. Donc je faisais des courses d'endurance, genre 24 heures du Mans, etc. Que j'ai eu la chance de faire, j'ai eu deux fois deuxième. Là tu vas m'apprendre un peu à conduire, tu sais que j'ai jamais conduit sur circuit une voiture comme ça. Hein. Là tu vas voir, ça c'est un truc, si t'as pas appris un petit peu, tu te mets dans le mur tout de suite. Ah là. Donc là c'est ce que je vais t'apprendre. Donc c'est-à-dire là si je l'apprends tout seul, sans rien t'écouter, je peux finir dans le mur. Ah bah ouais. Oh le drift. Attends, mais Michou va rien pouvoir faire là! Ouais! Oh, c'est de la frappe! Cette ligne droite là, on va se la faire. Prêt? Vas-y. Donc, regarde, quand on freine, c'est comme ça. Oh! D'accord? Oh, comment t'as fait? C'est ça qu'il va falloir que tu fasses. C'est-à-dire qu'il faut bien freiner fort. Ah, fort, genre, le plus fort possible. Je le matraque le frein. Exactement. Et comment la sensation, comment tu freines, genre ça freine sec. T'as vu? Et c'est comme ça que tu te mets en sécurité. Oh là là. Et deuxième truc, faut regarder loin devant soi. Donc quand t'es ici, tu vois le cône jaune qui est au fond? Ouais. Faut aller direction le cône jaune et t'as déjà le regard sur le prochain. Tous et les ainsi cônes jaunes, tu les regardes. Voilà. Donc exactement. Là, je regarde le cône jaune. Prochain. Prochain. Celui et là-bas. Suite. J'ai cru que t'allais te prendre celui-là, t'as fait comme ça là. Ça va être à toi. C'est à moi là. Bon, au début je fais doucement, t'as vu. Ouais. Et après on est en train de... Oh là 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 les gars, c'est dégueulasse. Mais attends, mais t'as bombardé là quand même. T'es mort, tu pourras jamais construire le truc. Mais là t'as bombardé ou ça allait? Non, parce là, que nous bombarde. Là, je vous ai vu passer. On était à 60-70%. Il a bombardé. Non, je te jure que quand même il a... il a bombardé. Ça t'a retourné. Ouais, ça... Mais en fait c'est surtout que là il va m'apprendre comment faire comme lui et quand je le voyais faire... Là tu vas faire des dérapages, non? Non. Non, pas, quand même pas. Ça peut un petit peu, mais... Oh oui, bébé. Voilà, là, ça va être de la frappe. Bon, bref, avec ces petites mains, écoutez-moi bien. Regardez, après cette vidéo, bientôt, cette année, je t'offrirai un tour et c'est toi qui conduiras. C'est une promesse. C'est beau. Purée. On va mettre un casque. Allez, c'est parti, je vais mettre le casque.
C'est parti. Vas-y. Bon allez, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais t'as intérêt, ouais. Tu sais que j'ai la conscience de nos devis là sur le volant. Ah bah t'as intérêt. Mais t'inquiète. Je t'écoute. Mais partez pas sans moi. Non, je te dis. Tour, va finir le Lego. Cherche pas, y a que deux places. Va finir le Lego. Mais partez pas sans moi. Non mais. Mais ça y a que deux places dans ma voiture. Mais j'ai une idée. Ah mince, Inox. Ah mince. Pendant que ça conduit là, répare le système là qui fait tourner les roues. Oh c'est vrai que tu prends le volant là. Non, je prends le volant. Aïe aïe aïe. Vas-y mon gars, bonne chance. Vas-y, bisous ma poule. Bah, attention quand même. Ouais, t'inquiète. Qu'est-ce que j'aurais aimé être à l'intérieur là. Bon, après je vais être dedans. En vrai, je pense que je vais kiffer quand même, mais c'est pas pareil. C'est bon? Ouais, c'est bon. On y va? Oh là 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 là. Le démon est dans... Il est là. Ça part. Adios Inox Tag. Et c'est parti. Et quand je suis comme ça, je laisse ma main en bas. Juste voilà, comme ça. Ah, tu croises? Exactement. Pourtant, tu vois que de la route, ils me disent que tu dois jamais. C'est la différence entre conduire et piloter. Oh, il s'en va, il est généreux, il s'en va doucement. On va aller voir, après il y a une ligne droite de fou. On va aller voir s'il accélère. Donc tu vois, pense à tes cônes jaunes. Ok, donc là, le premier. Le deuxième, tu vas le découvrir à l'intérieur. Et le troisième, c'est on s'élargit pour aller vers le rail. Il n'y a pas le cône, mais voilà, tu le vois là-bas. Ok, je le vois. Regarde, là, accélère à fond. Voilà. Je suis à fond là. Ah ouais. Ah ouais, il bombarde quand même. Freine fort, voilà, super bien. Allez, gaz. Voilà, tu vois, là okay. Tu te mets en sécurité et là tu mets à fond. Et là tu mets à fond quasiment jusqu'au cône jaune. Okay. Encore. Et freine fort. Voilà. Le cône jaune qui est à l'extérieur. Là faut que on le laisse remonter un peu dans le banking, voilà, et là on redescend bien dans l'intérieur. Oh, je pense que là il se tape des vrais délires. Je sais pas, il était à combien là, mais il est passé devant, alors que c'est une sortie de virage, hein. Il est passé devant moi, je pense. Il était au moins à 150 minimum. Encore. J'aurais pu freiner plus tard. Ouais, bah le prochain tour. Ah, mais c'est que c'est trop tard. T'as le volant droit, tu peux y aller. On lâche un tout petit peu, et dès que t'as passé le cône jaune, t'as un volant droit, t'es à fond. Allez, encore. Quand c'est avec Xavier qui va conduire, que je vais être dedans avec lui là, je vais mourir. De plus en plus de gaz, et à fond. Et on reste bien à gauche. Encore. Ah, c'est de la frappe. Encore. C'est de la frappe. Oui. Tu vois, bouge légèrement là. Ah ouais, ça bouge. Hein. Une fois que t'es rentré, tu reprends un petit filet de gaz. Vas-y, encore. Et un peu de frein là. Et à fond. On lâche légèrement. Et freine fort, et de moins en moins fort. Ah ça va, il freine quand même bien avant. Mais c'est bien, tu vois, t'as compris le système. C'est bon, je comprends. Regarde loin devant toi. Allez. Là, je suis à fond. Ouais. Encore. Je suis à combien là? 200. J'étais à 200. Freine fort. Ah. Et gaz. Wouah, là, c'était limite celui-là. J'ai pas freiné assez fort. Et à fond. T'as freiné un peu trop tard. Et freine fort. Oh là. Et à fond. Mais il va à fond là. Et freine fort. Oh là. Et on fait le dernier tour du fond. Comment c'est de la frappe. Eh, c'est trop bien le Xavier. Là je fais quoi? À droite là, entre les deux cônes verts. Mais tu vois, j'avais plus de sensations quand j'étais à ta place. Bah parce qu'on allait un peu plus vite. Ah, on allait plus vite. Ouais, bah oui, forcément. Pas en vitesse de pointe, mais c'est surtout la vitesse de virage. Ah, les virages et tout. Genre toi, tu sais mieux anticiper. Bah c'est mon métier. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Et alors, est-ce que j'ai bien conduit? Ouais, honnêtement, c'était très bien parce que t'as bien compris comment on freinait. Ouais. J'ai pas eu peur de te laisser vraiment appuyer fort sur les gaz. T'avais bien compris le sens de la trajectoire pour regarder loin, les cônes et aller à gauche, à droite, machin. Donc c'était. Oh là, c'était parfait. Si Max Xavier, t'as tué ça mon grand. Les gars, il a terminé. Il vient de se garer. Oh là là. Ah oui, ouverture papillon, pardon. Tu m'as vu? Mec, t'as bombardé. Mec, c'est trop dingue. Tu sais, t'es à combien ou quoi? 200. Ouais, 200 max. Oh. Gros, c'est de la frappe. Hein. T'as bombardé, gros, c'était incroyable. C'est trop dingue. T'as kiffé? Ouais, oh, j'ai kiffé sa mère. Gros, j'ai envie de refaire. Tête de wham que je vais revenir ici. Niveau sensation, c'est comment? T'as plus de sensations, toi. Tu vas voir. Quand t'es pilote. Quand t'es passager, ouais. En fait, t'as la sensation que c'est toi qui gères tout. Ouais, c'est pas les mêmes sensations. Quand tu freines, c'est trop bien. Quand conduire une voiture comme ça, c'est pas les mêmes sensations que juste monter. Et quand tu montes à côté, c'est imprévisible. Tu sais pas quand il freine, tu sais pas ce quand il avance. Je
pense que t'as plus de sensations en passager, mais la sensation de conduire le truc, mec, c'est de la... En fait, les deux, c'est devais, incroyable. Tu devais te prendre pour un super-héros. Mec, tu devais Zabie, prendre pour un super-héros. Sa mère. Il a bien compris comment freiner, donc du coup, il n'y avait pas de danger. Donc je lui disais d'aller à fond. Ouais, en vrai, je voyais, il freinait bien avant et tout. Bon, Michou, à toi. T'es prêt on y pour va. Défi je suis prêt. Moi, je vais me marrer. Je vais côté conducteur, du non, coup. Non, t'as oublié, là, c'est l'autre côté. Et puis je crois qu'Inox, faut qu'il t'apporte quelque chose. Ah oui, c'est. T'inquiète, vas-y, j'y vais. Hein. Là, tu m'envoies dans le futur. Ouais, pas loin. Tu vas m'envoyer droit dans le futur. N'oublie pas ça. Ça va être utile pendant le vol. Putain mince, j'ai failli l'oublier quoi. Non mais attends, mais je vais la détruire gros. Mec, essaye de me la ramener intacte, ça sera déjà bien. Voilà. Déjà, j'ai envie de pas la casser. Et t'inquiète, il y aura des stickers. Allez, fais-moi confiance. Toi. Oh, c'est incroyable. Tu l'as déjà fait beaucoup de fois ce circuit? Non. Non. Ok. Non, si, je le connais, rassure-toi. Tu connais, ouais. En fait, t'essayes de me faire peur. Non, en vrai, de vrai. Oh lolo. Bon, je ferme la porte. Allez. On y va les gars. C'est la première fois de ma vie que je ferme une porte ouverture papillon. Ok, c'est parti mon loulou. Mais quel sticker va où? C'est déjà ça la question. Attendez, ça là, le petit truc Richard. Déjà, si je peux déjà en coller. Oh, mais c'est déjà impossible. Gars, là, je la vois pas, elle va arriver là, là. Je commence à entendre le raisonnement, là. Je suis gentil, je fais le premier tour vraiment tranquille. Ah, c'est sympa. C'est tranquille. Ah ouais, là, c'est tranquille. Oh là là, la vitesse, wesh. Oh la vitesse. Là, la ligne droite, elle va vraiment vite, hein. Alors, McLaren, c'est... Attends, c'est tranquille, là. Là, on est à 40%. Non, j'ai perdu un rétro. Fais gaffe, parce que je vais commencer à augmenter le rythme au fur et à mesure. T'inquiète, je colle, je me dépêche. Oh lolo, ah ouais. Moi j'ai l'impression de faire du what? Attends, mais là ça a glissé de fou. Moi j'ai l'impression de faire du gainage. Gros, c'est un monstre sur circuit, gros. Bon, on dirait un démon, gros, un démon qui roule. Attends, mais tout à l'heure, j'étais pas à 80%. Là, on a fait 70. Mais le pire, c'est que comme je regarde pas la route, bah, ça me surprend fois 1 million. Oh, le coup de pression, quoi. Allez, alors, cet autocollant, il va où? Tu sais que je sais même pas où vont les autocollants, en vrai. Tu sais que j'ai perdu mon deuxième rétro. J'ai perdu les deux rétros de ma voiture. J'ai retrouvé un rétro. Mon rétro, il était par terre. Moi, je pense qu'il a plein d'autocollants sur la tête à force de la vitesse. Il va vouloir le coller, c'est pris sur le front. Non. C'est sûr. Non, je pense qu'il peut quand même la maintenir. Moi, je pense qu'il s'en apporte. Moi, pour moi, il peut la maintenir, la voiture. Par contre, c'est chaud de les coller. C'est chaud de les coller. Même moi, sans voiture, j'arrivais pas à bien être précis, t'as vu. Donc là, c'est le tour ultime. Là, c'est le tour pas ultime, mais avec un peu plus de. J'avais oublié. Là, moi, j'aurais peut-être commencé à freiner, hein, si j'ai mon. J'ai perdu ma porte! Comment il va vite dans les virages? Ça, c'est de la frappe. Voilà, mais en vrai, c'est incroyable par contre. Et à un moment, j'ai retenu ma respiration pendant 30 secondes. J'étais pire qu'en apnée sous l'eau. C'est comme dans tout effort, tu as besoin d'être. Tu contractes. Et comme tu contractes, tu respires. Vas-y, mon bagot, on va chercher Michou, hein, il va pas tarder à arriver. Eh, mais on a fait des vrais drifts. Hein. Mais à un moment, j'ai cru qu'on allait se retourner. Par contre, les stickers, c'est pas trop ça. Ma voiture, j'ai perdu une portière. La deuxième ouverture papillon, elle marche très bien. Mais là, côté conducteur, il y a plus de porte. Et niveau des stickers, j'ai fait de mon mieux quoi. On va dire ça. Hein. Mais en vrai, c'était incroyable. J'avoue, j'aurais kiffé la conduire la voiture, mais monter avec toi, c'était quelque chose quand même. Ouais, merci. Bon, honnêtement, tu m'as impressionné parce que t'es quand même arrivé en maître. Et ça veut dire te concentrer sur la voiture sans regarder la piste. Je suis pas sûr que j'y serais arrivé moi. Ah ouais, mais c'était trop dur. Hein. Non mais parce que pour de vrai, ouais, parce que je collais les stickers, du coup, je voyais pas ce que tu faisais. Ouais. Donc je collais les stickers, ça faisait ma tête, ça faisait et je comprenais même pas pourquoi parce que j'avais pas vu le virage. Mais t'as quand même finalement perdu une roue quand même. Une porte. Ouais. Ah, inspection des travaux finis, je viens d'arriver, je les regarde parler. Là. Mais t'as vu vu d'extérieur? Ouais, ça, mais comment? Ça allait vite. Tu devais avoir une sacrée sensation. Mais tu l'avais la sensation tout le long.
moins. Ah ouais? Ah, ça me faisait trop rire, je sais pas pourquoi. Et t'as réussi ou pas? En vrai, t'en as quand même mis pas mal. C'est bizarre, ceux-là, ils sont de base, ils sont bien collés. Là, j'en ai mis un là. Donc, il est carrément à l'envers. Bon, j'étais pas très droit. Celui-là, eh, celui-là, c'était trop dur, fallait être précis, mec. Et je pense que j'ai dû arriver en plein virage. Ouais, vu comment il est collé. Il est assez. On était dans le virage, je pense qu'on était dans le virage à ce moment-là. Ici, j'ai essayé de faire. Là, ça va. Ça, c'est bien. C'est pas hyper. Ça, c'est validé. En fait, c'est pas droit, mais les deux sont de travers pareil. J'étais là, j'essayais de faire les trucs d'un seul coup, ça faisait. Gros, des fois la voiture était au-dessus de ma tête, je sais pas comment. Au final, c'est un gage que j'ai kiffé malgré tout. Bah oui. Parce que c'était trop bien. Mais honnêtement, mais j'ai adoré vous emmener. Moi, j'ai kiffé aussi. Et je suis content parce que j'avais peur d'avoir l'envie de vomir. Et au final, non, ça va. Mais du coup, merci beaucoup, Xavier. Ouais, merci, Xavier. Pour cette vidéo. C'était un vrai plaisir de vous avoir, les gars. Merci, Michou. C'était incroyable. C'est grâce à toi aussi, je l'ai fait, donc c'était une dingue. Bah, j'espère que t'as kiffé. En vrai, c'était un honneur. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Enfin, cette petite vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Merci aussi, Lego Technique, pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Vous êtes les boss. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Bref, les gars, des gros bisous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Et voilà, vous êtes les boss. Bisous, les gars. Tchuss.